Je me suis longtemps demandé que se passerait-il si mon enfant était dyslexique. Alors j'ai voulu commencer par le commencement, aller voir le directeur de l'école, celle où j'ai débuté, lorsque j'étais moi-même enfant. Alors, à l'école secondaire, il y a beaucoup de dyslexiques. On a 80 élèves et on a une vingtaine de cas annoncés dyslexiques, plus ou moins légers, ou mais qui ont une dyslexie reconnue. Ce qu'il faut savoir, c'est que la direction d'une école dans le canton du Jura, elle n'a pas vraiment de pouvoir pédagogique. Donc moi, je n'aurais pas de pouvoir décisionnel vis-à-vis des enseignants et de les obliger à faire quelque chose. C'est pour ça qu'on s'encadre d'un réseau, et c'est le conseiller pédagogique qui intervient avec les logos ou les psychologues scolaires et puis qui définit certaines choses. Maintenant, c'est vrai que au niveau de la formation, c'est des choses qu'il faudrait intégrer dans des modules d'enseignement ou n'importe, mais déjà, c'est vrai qu'au niveau de la HEP, il faudrait faire des choses comme ça. Mais ça se fait pas, forcément. Oui. C'est vrai. Évoluer. Ça a évolué parce qu'il y a une reconnaissance des cas. Parce qu'au début que j'enseignais, il y avait des élèves dyslexiques, mais ils se débrouillaient. Ce n'était pas reconnu. Moi, pendant mes 10 premières années d'enseignement, je n'ai jamais fait une séance de réseau. Puis j'ai l'impression de jouer un peu ma vie. Parce que j'ai peur de me louper, en fait, dans le dessin. J'ai l'impression que ça va m'aider pour l'avenir après. Ce qu'on pourrait dire aux politiciens, c'est arrêter de toujours éroder sur le budget de l'éducation. L'éducation, c'est l'avenir de nos enfants et puis l'avenir tout simplement des pays. Et en donnant toujours moins de budget, toujours moins de moyens aux gens qui sont à l'éducation, dans les écoles, eh ben, on est en train de prétériter l'avenir. Donc arrêtez ça. Donnez-nous les moyens de faire notre boulot. J'ai l'impression que l'école obligatoire, c'est un peu une bulle dans la société. Et ici, les enfants sont reconnus, les parents marchent avancent dans la démarche qui est proposée par les enseignants, parce que c'est un enseignant qui détecte quelque chose, que ce soit une lenteur, ou ça peut être l'inversion des lettres, ou des problèmes en lecture, ou n'importe, ça se détecte déjà à l'école primaire. En général, moi je suis aussi directeur de l'école primaire, donc je vois les enseignants dans les plus petits degrés déjà, ils détectent souvent cela. Et on propose ces réseaux avec le conseiller pédagogique, et tout de suite ça se met en place. Et ils avancent avec ça sur toute leur scolarité, et on transmet les dossiers du bâtiment primaire au secondaire. Donc c'est un peu comme une bulle, je pense. Mais il faudrait que ça suive après, que ça soit reconnu, sans tabou, sans jugement. Après avoir entendu le directeur de l'école, j'avais bien envie d'entendre et de voir ce que me proposerait un conseiller pédagogique. Je pourrais te donner 1000 exemples, mais à un moment donné, il y a eu un mécanisme au niveau des financements des prestations qui a passé des prestations par l'assurance invalidité à des prestations qui sont assurées par le canton. C'est ce qu'on a appelé la RPT, la nouvelle répartition des tâches. L'Office d'assurance sociale finançait toutes les mesures de pédagogie compensatoire, ou à peu près, en tout cas la logo. Puis à un moment donné, ils ont dit « Ah, on verse l'argent au canton ». Donc on verse le même montant. Donc la Confédération n'a pas fait d'économie. Ils ont versé le même montant au canton en disant « Vous avez, pendant 3 ans, on vous impose de l'utiliser aux mesures auxquelles elles étaient destinées ». OK, d'accord, pas de souci, les cantons ont joué le jeu. Moi, j'ai assisté à une explosion de mesures de logopédie. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer de le dire. Comme il y avait de l'argent à disposition, les professionnels se sont dit que, puisqu'il y avait 3 ans pour démontrer que cet argent devait être utilisé à ça, ben pendant 3 ans, on a fait la démonstration qu'il le fallait. Et puis quand les cantons ont dû commencer de financer un peu plus, parce que ça a provoqué une explosion, ben, on a limité ailleurs dans l'école. Et en 10 ans d'enseignement, j'ai vu une évolution qui va dans positif pour le point de vue du canton. Ce qui m'embête le plus, ce n'est pas forcément la reconnaissance, c'est les moyens d'enseignement, que je trouve, lorsqu'ils sont créés, qu'ils ne prennent pas assez en compte ceci. Ne serait-ce que pour l'ergonomie. Par exemple, comme j'ai dit une fois, écrit trop petit, trop serré. Là, par rapport au cours que j'avais il y a 10 ans, on est revenu un peu en arrière.
Puis à côté de ça, il y a toute la formation initiale. Et je suis d'accord avec toi. Moi, quand j'allais présenter la pédagogie compensatoire aux étudiants de la HEP à Porrentruy, on avait l'impression, donc ils s'apprêtaient à sortir, hein, on avait l'impression qu'ils découvraient les, je mets les guillemets, pathologies auxquelles ils pourraient être confrontés comme enseignants, dont la dyslexie. Donc ils en avaient vaguement entendu parler, mais il n'y a pas de formation. Et je pense que la formation initiale, c'est basique, quoi. Quand tu rencontres une jeune enseignante qui sort puis qui te dit « je ne sais pas comment on fait avec un dyslexique », mais t'imagines l'état émotionnel de la collègue, hein, son état quand elle est confrontée à un élève, et puis l'état de l'enfant qui se trouve face à quelqu'un qui est supposé être professionnel et capable de prendre en charge son problème, et un enfant, un élève, une famille qui tout d'un coup se rend compte que non, il faudra recommencer, il faudra réexpliquer, il faudra... C'est lourd quand même. Finalement, comme tout parent ferait, après avoir entendu un directeur, un enseignant et un conseiller pédagogique, j'avais bien envie de voir ce que me dirait un médecin spécialiste de la dyslexie. Parce qu'en fait, souvent, les enseignants, ils disent « qu'est-ce qu'il a comme 10 et qu'est-ce que je dois faire ?» Et effectivement, ça se résume souvent à des listings de préconisations ou ça se résume à effectivement des astuces, comme tu disais. Et ce n'est pas du tout la bonne façon d'aborder les choses. La bonne façon, c'est de se dire, est-ce que cet enfant, il a un profil intellectuel et cognitif, une motivation qui laisse à penser qu'il est scolaire, il est motivé, il est intéressé par l'école, il a envie de réussir? Et est-ce que, par exemple, sa situation de dyslexie ou sa situation de dyspraxie le met en situation de handicap? La situation de handicap, c'est une restriction de participation, une limitation d'activité. Et donc, ce n'est pas par un tour de passe-passe, ce n'est pas par une astuce qu'on va s'en sortir. Il faut qu'il y ait un consensus des adultes. Comme on disait tout à l'heure, quand je lis, je comprends rien. Quand on me lit, je comprends les choses et je peux participer à l'école. Je suis pas en restriction d'activité. À ce moment-là, on trouve un moyen de contourner le problème. En tout cas, c'est pour les situations graves de dyslexie, de situations graves de handicap liées à la dyslexie. Et maintenant, nous allons à la rencontre du professeur Jacques Dubochet, prix Nobel de chimie, pour parler avec lui des problèmes liés à la dyslexie. Moi, je n'ai rien fait comprendre. C'est à un âge où on ne fait pas comprendre grand-chose. Et mes parents ont constaté que je faisais que ça n'allait pas à l'école et que je faisais un type de faute qui n'était pas usuel. Et ils ont attiré l'attention de quelques enseignants et il y a eu un directeur d'école, il s'appelait M. Notz, Edgar Notz, qui a pris la chose à cœur et qui s'est dit « c'est quoi cette histoire ?» Et puis il a fait faire un diagnostic et c'était une époque où ce n'était pas encore très courant. Et ainsi j'ai été répertorié comme diagnostic et c'était le premier dans le canton. Voilà, oui, le premier cas diagnostiqué. Ça n'a pas été un très grand succès parce que j'ai fait tout le collège dans des conditions de plus en plus mauvaises. Ça allait de plus en plus mal jusqu'au moment où M. Notz est parti à la retraite. Je ne sais pas si c'était à la retraite. Il est parti comme directeur et très rapidement, on m'a fait comprendre, enfin, on m'a vidé. Voilà. Et là, mes parents ont eu cette idée courageuse de m'envoyer en Suisse allemande, au milieu de la Suisse allemande, à l'école cantonale de Trogen, où il y a un internat qui est associé. Et là, il a fallu se secouer parce que ou bien je restais coincé, ou bien je m'en sortais, puis je me bougeais, puis en une année, ça... Pas forcément une question de reconnaissance, c'est plutôt une question de compréhension. C'est-à-dire que pendant longtemps, la dyslexie, ça n'existait pas. La dyslexie, c'était des enfants feignants, il suffisait de leur mettre un petit coup de pied au cul et puis ils allaient apprendre. Non, ce qui a été décalé dans le temps, c'est la compréhension des mécanismes cérébraux, des mécanismes cognitifs qui sous-tendent la situation de dyslexie. Et peut-être que les deux vitesses dont tu parles, c'est
encore une fois, dans l'approche, dans les croyances, dans les convictions des gens. C'est-à-dire que tu peux tomber sur une orthophoniste, une logopède, un médecin, un psychologue, un enseignant, éventuellement un parent, qui va penser que vraiment son enfant, il est en difficulté pour lire, il est en difficulté pour faire de la production d'écrit, parce que son cerveau n'est pas bien équipé pour cela, donc il y est pour rien. Puis tu peux tomber sur un enseignant, sur un parent, sur un professionnel qui dit bon, il a qu'à faire des efforts, c'est un feignant, s'il fait des efforts, il va y arriver. Dans le sens que les profs, ils connaissaient pas, ils savaient pas mon diagnostic et les moqueries aussi des camarades de classe. J'ai réussi à faire une résilience de ma dyslexie. Triste, oui, triste, oui. Qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour que les gens vous comprennent ? Pouvoir en parler. Alors, dans les relations, dans la société, tout, oui. Vous avez eu longtemps été seule, finalement, au niveau amical. Alors, oui. Vous avez pu l'expliquer, par exemple, à des gens qui ne vous comprenaient pas ? Non, je me cachais. Je ne pouvais pas expliquer ce que j'avais, je me cachais plutôt. Mais mise de côté, oui. De côté, de ne pas pouvoir... Comme je me cachais, automatiquement, j'avais de la peine à rentrer en relation avec les copains ou les copines. Après analyse, je me rends compte que la dyslexie est très liée au milieu sociétal où la personne se trouve. Finalement, j'avais envie de voir une autre école, alors je suis dirigé en direction de QJ à Fribourg pour aller à la rencontre de Chantal Filiberti, qui a deux enfants dyslexiques dans sa classe. Je dirais pas qu'il y a rien qui est mis en place. Et puis, comme on me donne rien de plus haut, je vais chercher où je peux. Je vais chercher l'aide des logos qui sont privés. Que j'arrive pas très bien, ça peut aller de les 30 minutes, même 40. Et c'est tes parents qui t'aident beaucoup ? Ils m'aident un petit peu à la maison aussi, je comprends pas. Et t'as une logopédiste ? Oui. Et puis un enseignant spécialisé à toi ? Non. Révolté, c'est peut-être un grand mot. Mais je suis frustrée parce que je ne peux pas les aider autant que ce dont ils ont besoin. Et puis je suis certaine que si j'étais mieux formée ou si j'avais des appuis extérieurs qui intervenaient dans ma classe, qui interviendraient dans ma classe, j'aurais plus de clés et je pourrais mieux les aider. Et puis pour eux, pour l'avenir, ça serait plus utile. J'ai eu aussi même à des stades des enseignants, des profs. Je pense qu'ils ne s'en rendaient pas compte. C'est clair qu'ils ne se moquaient pas de moi, les profs. Mais il y avait toujours des remarques. Hein, mais Fanny, tu pourrais faire un effort. Puis tu es là, mais j'en fais, tu ne te rends pas compte, j'en fais énormément d'efforts. Et c'est vrai qu'ils ne comprenaient pas toujours l'adaptation ou comme ça. Et des profs qui comprenaient un peu plus et qui faisaient des adaptations en classe ou comme ça. Ah, je pense qu'il y a une nette évolution quand même par rapport à, je pense, 17-18 ans, personne ne connaissait rien à la dyslexie. Maintenant, tout le monde la reconnaît, tout le monde sait un petit peu ce qu'il en est. L'évolution, elle doit encore se faire à ce que les enseignants, dans l'école, je dirais secondaire surtout, donnent des aménagements et donnent un petit peu un travail différent aux enfants qui ont des problèmes de dyslexie ou autres problématiques. Des plombs pour écrire des emails, mais comme mon père m'avait toujours dit, ton mail, t'as meilleur temps qu'il soit envoyé avec des fautes que pas du tout envoyé. Donc je garde toujours ça dans ma tête et puis au bout d'un moment, quand j'écris mes premiers emails, il y a des fautes, tant pis. Et ensuite, les personnes souvent, pour les sponsors comme ça, je les rencontre en personne et là, ça se voit plus, donc c'est pas un problème. Donc clairement, cette médaille olympique, elle était pour moi surtout une belle reconnaissance avec tout le travail que j'ai fait et puis cette passion que j'ai pour mon sport. C'est un peu les deux, je dirais, parce que les HEP, ils font un peu comme elles peuvent, comme elles veulent, et toutes n'ont pas conscience du problème. S'il y avait vraiment une demande politique, je pense que ça ferait avancer les choses. Ça fonctionne comme un cerveau qui a du mal à automatiser certaines opérations et celles qui sont indispensables pour passer d'un message écrit à son équivalent oral. C'est précisément ce trouble de l'automatisation du passage de l'écrit à l'oral qui pose problème.
Prendre, en fait, il suffit de faire la comparaison avec quand on commence à apprendre à conduire une auto. Les jeunes conducteurs, les tout jeunes conducteurs, au bout d'une demi-heure de pratique, ils sont très fatigués parce qu'ils se concentrent tout le temps s'ils veulent bien conduire et pas faire de faute. Pour un dyslexique, c'est exactement la même chose parce que, comme je viens de le dire, il n'y a pas d'automatisation. Donc, il y a des choses qui coûtent absolument rien en énergie à un lecteur standard et qui coûtent énormément à un lecteur dyslexique parce que, justement, il doit en permanence se contrôler et il ne peut pas se reposer sur des choses automatiques qui ne coûtent aucune énergie. Et est-ce qu'il a des solutions, finalement, pour pallier à ça ? Oui, il a des solutions, ça consiste à éviter ce qui lui est difficile, c'est-à-dire cette transposition, ce transcodage entre l'écrit et l'oral. Il y a des dyslexiques qui sont particulièrement bons à l'oral et ils doivent à ce moment-là se reposer sur leur capacité orale. Lorsqu'on parle de troubles de l'apprentissage, on oublie bien souvent que les personnes dyslexiques sont très créatives et entreprenantes pour la plupart. Alors une question me vient. Qu'en est-il des devoirs à la maison ? Tu vois, les devoirs, pour moi, c'est quelque chose... mais fondamentalement, c'est injuste. J'en dirais, hein. J'admets que j'ai donné des devoirs comme enseignant, hein, pendant longtemps. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, comme j'avais des élèves qui venaient d'autres cultures, notamment les enfants portugais, dont les parents ont souvent été peu scolarisés, voire pas scolarisés, ben, quand ils rentraient à la maison, c'était eux qui devaient essayer d'expliquer les devoirs aux parents, mais les parents n'avaient pas les outils. Emmenés par le jeu. Les moyens d'enseignement de maths. Combien de fois je disais aux enseignants, vos moyens d'enseignement de maths, c'est tous des jeux que vous trouvez dans le commerce, mais qui ont été phagocytés, entre guillemets, par des didacticiens, par des mathématiciens, pour en faire une activité scolaire. Mais tu peux, la plupart des activités qu'on propose aux élèves dans le cadre de la classe, quand j'étais dans la commission des moyens d'enseignement de maths, les didacticiens nous disaient, ben, tu trouves ça, c'est tel jeu qui est fait chez ceci. C'est... Les ludothécaires, c'est des perles pour les familles. C'est clair que la société doit savoir que la dyslexie, comme beaucoup, beaucoup d'autres, anormalités. C'est simplement parce qu'on met un cadre trop étroit et que notre société devrait... C'est la question d'admettre la différence, d'admettre, de cultiver la différence. Puis bon, moi, j'ai eu de la chance, mais c'est un bon exemple. Hein. Un petit peu différent à cette époque, ben, ça n'empêche pas que ça marche à la fin. En fait, j'ai appris très tard que j'avais ça. Je l'ai appris quand j'étais en maturité professionnelle. Donc j'avais quoi, 23, 24 ans peut-être même... Ouais, 24, entre 24 et 25 ans, en fait, ouais. Du coup, je l'ai appris extrêmement tard. Et pendant toute ma vie jusque-là, je partais du principe que j'étais pive en maths, et que j'étais incapable de faire des maths. Et puis, je me posais pas trop de questions par rapport à ça, comme je partais de ce principe-là, puis ça s'arrêtait là. Et pourquoi pas aller voir ce qui se passe au Canada, le pays qui a plus de 30 ans d'avance sur la Suisse, sur la dyslexie et l'enseignement pédagogique. Comment on traite les enfants qui ont des difficultés au Québec? Ben, ça dépend de la difficulté, évidemment. Chez nos élèves qui sont intégrés dans les classes régulières, peu importe que ce soit un élève qui a un trouble envahissant du développement, qui ait une dyslexie ou même un handicap intellectuel, ben à ce moment-là, premièrement, avec les parents, on fait un plan d'intervention. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cet enfant-là en classe? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec des objectifs, des moyens? Souvent, ils ont de l'aide d'une éducatrice spécialisée qui va avoir certaines heures qui vont, elles vont venir en classe pour aider l'enfant. Ça peut être au plan académique comme au plan social. Parce qu'il y a une frustration qui vient envers le dyslexique, même s'il peut vite en faire abstraction, mais il y a aussi une frustration qui vient vers le prof qui n'arrive pas à comprendre la manière de réfléchir, ce que je comprends tout à fait. Et en plus,
qu'ils aillent des cours ou peu importe ce qu'ils font pour apprendre à connaître mieux le dyslexique. Non seulement ça va pouvoir les aider pour le dyslexique, mais ça va pouvoir les aider pour les élèves en général, peu importe le type de personne, parce que c'est une manière d'apprendre qui est tellement ludique, tellement agréable, que du coup, ça motive en fait l'élève à apprendre à travers ses mains ou à travers un jeu ou en bougeant en fait. C'est beaucoup plus agréable que d'arriver à 8 heures, de poser ses fesses sur une chaise et puis d'écouter quelqu'un et de prendre des notes. Ça aussi, pour un dyslexique, il n'y a rien de pire que de devoir écouter, comprendre ce qu'il dit, retranscrire sur une feuille tout en suivant le cours. Franchement, ça, c'est une hantise. Maintenant, le jeu, oui. Alors moi, je suis partante de cette idée de proposer par différents axes l'apprentissage. Mais vous aurez une personne très linéaire, des enfants très linéaires qui ne vont pas rentrer dans le jeu pour pouvoir apprendre. Donc il faut vraiment, pour moi, proposer le même apprentissage, mais avec des possibilités différentes d'entrée et pas seulement la possibilité linéaire. On peut très bien faire des leçons linéaires avec un accompagnement à côté d'une leçon sous forme de schéma et on répond ainsi à tout type d'élèves. Et je crois que c'est pas dans une manière ou une autre, mais c'est dans un petit peu le mélange de toutes les méthodes qui peuvent aider à apprendre qu'on touchera un maximum d'élèves et qu'on aura des résultats meilleurs. Ce qui est bon pour les 10, effectivement, sont bons pour beaucoup d'élèves qui, eux, n'apprennent pas comme des éponges. J'ai jamais vu un footballeur dyslexique. Quand il est sur un terrain de foot, tu ne vois pas qu'il est dyslexique. Donc, ça veut bien dire que c'est le contexte dans lequel l'enfant se trouve quand il est élève et pas quand il est enfant. C'est l'école qui le rend, qui le met en difficulté. Donc, c'est le contexte. Donc, il faut pouvoir agir sur le contexte. Pour moi, le contexte, c'est, il y a trois partenaires. Il y a la classe, il y a l'enseignant, il y a l'élève. Bah, de les reconnaître, en premier, d'être sûr qu'il y a un problème, de dire qu'ils ne font pas exprès, et de leur donner confiance, de croire en eux, de les encourager, et de leur donner plus de temps, de discuter avec eux, de les interroger oralement, parce que là, on voit vraiment les compétences qu'ils ont par rapport à ce qu'ils font quand c'est écrit. Donc la dyslexie dite de développement est probablement d'origine génétique, mais malgré des années de recherche, on n'a pas pu mettre le doigt sur, en tout cas, pas un seul facteur, certainement pas, mais même pas deux ou trois. C'est une combinaison de facteurs qui sont en cause. Et on n'a toujours pas trouvé la clé, mais on y arrivera. Même sans les connaissances qu'on avait, c'est le regard qui peut être posé sur un enfant ou une personne dyslexique par l'extérieur. Soit par son environnement direct, c'est-à-dire sa famille, qui va avoir une influence très importante sur la manière dont l'enfant va se construire et va pouvoir devenir adulte, soit par rapport à l'environnement qui est l'école, les enseignants qui eux aussi jouent un rôle extrêmement important là-dessus. Alors non, tout le monde doit accepter, tout le monde doit intervenir. Je ne dis pas que toutes les écoles c'est parfait, mais tout le monde doit mettre en place des moyens pour aider ces jeunes-là. Parce que c'est pas parce que tu es dyslexique que tu peux pas arriver à faire plein de choses puis à te rendre à l'université. On en a plein ici qui l'ont fait. Faut qu'ils croient à leurs capacités parce que elles sont là. Trouvez votre passion et quand vous l'avez trouvée, faut pas lâcher, faut se battre et après tout vient plus facile. C'est de ne jamais perdre espoir. Parce que plus d'une fois, on aura tendance à vouloir se dire je vais jamais y arriver et c'est pas vrai du tout. Parce que justement, du fait qu'on doit donner deux fois plus, voire trois fois plus de travaux que les autres, fais-moi confiance que même moi, maintenant, je me rends compte que putain, j'ai jamais baissé les bras. Jamais. Il faut chercher ce que tu aimes. C'est pas facile de savoir ce que tu aimes, parce que tu vas d'abord penser à ce qu'aime ton papa, ce qu'aime ta maman, ce qui t'apportera du fric ou je sais pas quoi. Mais il faut être très malin et très attentif à chercher qu'est-ce que j'aime. Et une fois que tu as trouvé ce que tu aimes, ben, t'as une très bonne ligne pour commencer. Évidemment, on peut se dire qu'il faut aussi chercher ses compétences, là où on est, bon, ses talents. Mais c'est tellement difficile de savoir quels sont mes talents. Ça vient, ça se voit. Cherche ce que tu aimes. Après, tu peux y aller. J'ai vu par mes observations que la dyslexie a certes beaucoup évolué. Mais malheureusement, pas encore assez.
pour que la reconnaissance se fasse partout de la même façon. Chaque enfant est quelqu'un et doit se battre pour ses passions et ses buts, pour réussir. Pour moi, je suis dyslexique et je suis quelqu'un. Et même si mon enfant le serait, aujourd'hui, j'ai les pistes pour avancer.